Où est cette femme? Pardon, vous avez vu Jelai? Non. Oh, mon... Vera! Oh, mon Dieu, Paul, arrête! Tu me fais mal. Je n'aime pas du tout que tu me tiennes pour acquis, d'accord? Quoi? Je ne te tiens pas pour acquis, je ne le fais jamais. On peut parler de ça à l'intérieur. Tout ceci est gênant. Non, personne ne rentre. Allez, viens! Paul, tu me fais mal. Je m'en fous! Ne fais pas ça. Aïe! Paul! Arrête! Hé, hey, madame, achetez quelques fleurs. Allez, achetez-lui des fleurs. Monsieur, s'il vous plaît, achetez-en pour que je puisse rentrer chez moi. Allez, madame. Je veux vraiment rentrer, je vous en prie. Je dois en vendre pour pouvoir manger. S'il vous plaît, monsieur, achetez-en moi, j'ai faim. Merci. Allez, va-t'en. Eh, vous voulez en acheter? Ben, et pourquoi est-ce que vous pleurez, madame? Mais ça va, tout ira bien. Ma vie est un désastre en ce moment. On dirait que tout va mal, je ne sais vraiment pas comment je vais arranger les choses. Je me sens impuissante. Je ne sais pas quoi faire en ce moment. Je vous donnerais bien des fleurs pour vous faire sourire, si seulement elles étaient à moi. Mais elles ne sont pas et on m'a dit de les vendre. Merci. C'est très gentil. Arrêtez de pleurer maintenant. Je pense que ça va être intéressant. Oh. Vous savez quoi? J'ai entendu dire qu'il y avait de l'agitation dans les coulisses. Passionnant, non? Attendez un peu. Qui est coupable cette fois? C'est Jelai ou Victoria? La vie, la mort, la douleur, la beauté. Est-ce que la vie continue quand on perd tout ce qu'on a toujours aimé et tout ce qui vous tient à cœur? Et qu'arrive-t-il quand le cœur meurt, ainsi que l'âme? Cette collection parle de tout ça, de la noirceur de perdre la vie même, et le fait de s'accrocher à tout ce que l'on peut, juste pour survivre. Comme si on trouvait la beauté en ressuscitant de ses cendres. Car peu importe les embûches, une vraie femme poursuit son chemin. Elle s'y efforce, malgré la douleur et malgré le chagrin. Mesdames et messieurs, je vous présente ma force, mon éternelle collection de printemps. Où es-tu, Jelai? Allez-y, tenez-le, les gars, tenez-le. À ce qu'il paraît, t'es un champion. Vas-y, défends-toi. C'est plutôt un minable. Ce mec, c'est vraiment une lopette. Chopez-le, vas-y. Louis? On sort. Louis!
Sois raisonnable, Paul. Tu sais te montrer très futé, Vera, hein? Et en plus, tu sais très bien choisir l'homme qui convient. Tu t'es mise avec un homme riche, capable de tolérer tes stupidités. Tu t'en rappelles pas, hein, Vera? Tu t'en rappelles? Sans moi, tu serais encore là où je t'ai trouvé, dans le caniveau. Lâche-moi. Ok, tu m'as ramassé dans le caniveau, mais regarde-moi maintenant. Paul, où j'en suis? Ma situation a empiré, j'en suis dégoûtée, Paul. J'en ai tu assez. Tu ne peux pas m'échapper, Vera. Alors arrête de provoquer. Paul, arrête. Paul. Maman. Arrêtez-nous. Arrêtez. Ça suffit. Louis. Maman. Toi, je t'ai déjà dit de ne pas t'en mêler. Reste en dehors de ça, d'accord? Mais arrête, lâche-la. Lâche-la. Dégage, Chloé. Dégage. Elle était ici tout à l'heure. Où elle est maintenant? Écoute, il l'appelle à l'instant. Oh mon Dieu, attends une minute. Je sais. Tu devrais y aller. Tu devrais parler à sa mais place, d'accord? Moi? C'est toi la chanteuse. Tu peux y aller, tu es la tu plus âgée. Tu peux y arriver, ta voix est meilleure. Tu es une non, chanteuse, tu es plus âgée que moi. Lâche pas seulement la beauté. Oh, voyons, tu peux y arriver. Mais je crois vraiment que mais tu devrais trop faire de café, toi. J'ai des palpitations, regarde. Si c'est comme ça, allons-y ensemble. Non, je n'y arrive si, pas. Si, on y va toutes les deux. Allez, viens, on y va toutes les deux. Je sais pas si allez, je peux on y, aller. Y va toutes les deux. D'accord, c'est bon, toutes les deux. Allez, let's go, on y va. Allez, vas-y, bats-toi, c'est moi la première. Vas-y, viens. Tu devrais y aller d'abord. Allez. Les gars, répondez. On bouge. On se casse. Allons-y. Vite, vite, on se casse. Dépêchez-vous, putain, dépêchez-vous. Louis. Vous êtes vraiment trop conne. Maman, ça va? Maman. Oh, merci. Oh, merci beaucoup, Chloé. Ça va? T'en es sûr? Ça va. Chloé. La police est ici maintenant. Rentre, allez. Je m'occupe de tout, Jenny. Ne t'en fais pas, d'accord? Ton défilé va commencer. Allez, vas-y. Vas-y. Bonsoir à tous. Nous sommes issus des échoppes locales et nous sommes aussi deux personnes qui aiment profondément Jelai. Nous en avons vu de toutes les couleurs dans la vie, tout comme Jelai. Et même si nous avons échoué et vacillé à plusieurs reprises, nous nous relevons toujours tant que... Tu peux faire. Je peux pas. Tant que nous n'avons pas complètement perdu notre chemin. Quand Jelai a commencé à percer dans le monde de la mode, elle nous a aussi plus ou moins entraînés dans son ascension. Tout simplement parce que ses aspirations sont aussi nos ambitions. Elle est comme ça. Elle ne se bat pas que pour son propre intérêt. Elle le fait aussi pour tous ceux qui travaillent dans les magasins locaux. Alors, puisque c'est un nouveau départ pour Jelai, nous allons rester à ses côtés. Voilà qui nous sommes. Nous restons unis dans toutes les batailles, n'est-ce pas? Merci infiniment. Tiens le micro. Merci beaucoup.
C'est très joli. C'est comme c'est joli. Wow. Quel beau chien. Ça va très bien avec le reste. Wow. Hey, je suis impatiente de voir sa robe finale. Eh bien, à mon avis, elle est sûrement fabuleuse. Attendons de voir. Voyons voir. C'est ça. Pas mal. Ouais, j'aime bien. Chercher un modèle pareil. Mais vous avez vu ça, on là la robe. La robe finale de Victoria, qu'en pensez-vous? C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Même les détails sont identiques, pas vrai? Oui, c'est vrai, j'ai remarqué ça aussi. Oui, je crois pas ça. Mes yeux, mais ce n'est pas vrai, c'est une imitation. Bonjour, monsieur. On commence? Alors? Ça ne te dérange pas si on discute seulement? Eh bien, en fait, c'est à toi de choisir. Mais mes honoraires seront les mêmes. Mais à mon avis, tu perds ton temps et ton argent si on reste ici à discuter. Eh bien, ça me va comme ça. J'imagine que tu as le cœur brisé. Quoi ? Je peux le lire dans tes yeux. J'ai toujours été forte pour détecter les chagrins d'amour. Comment ça? Eh bien, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois. Du coup, quand je me sens dans cet état, je m'observe dans le miroir, et puis ensuite j'essaie de me souvenir de quoi j'ai l'air. Mais comment tu fais ça? J'essaie de me rappeler à quoi ressemblent mes yeux, mon nez, ma bouche. Ensuite, je me souviens de l'ensemble de mon visage, et c'est pour ça que j'arrive à aller voir chez les autres, quand ils ont la même expression sur le visage. Je me sentirai mieux? Le cœur ne peut pas être soulagé par un massage, mais ça ira mieux quand même. Laisse-le se reposer. Ne t'en sers pas, pour ainsi dire. Évite les exercices émotionnels. Et ne vise pas trop, car tu risques de tomber. Tu comprends? Bientôt, tu te rendras compte que tu es prêt. Je l'espère. C'est une descente de police! C'est une descente! Restez où vous êtes! Ici. On a rien restez où vous êtes en état d'arrestation! Attendez un instant! Vous allez venir avec nous au commissariat! C'est vrai, on a vous êtes en état d'arrestation! Est-ce qu'on peut aller? Allez, on se bouge! Allez! Allez, avance-toi! Attendez! Allez! Dépêchez-vous! Vous allez venir au commissariat avec nous! On faisait que discuter, pas de causer! Laissez-moi tranquille! Lâchez-moi! Nous avons assisté au face-à-face de deux des plus grandes créatrices de mode de toutes les Philippines. Madame Victoria Valera et Madame Jelay Agustin. Après des passages sur les plus grands podiums de Hong Kong, des États-Unis, de Milan et de Paris, après des années de travail comme l'une des figures majeures de la profession, Victoria Valera,
débute comme styliste, sous l'influence créative de son mentor et père, Ronaldo Valera. Le passé haut en couleur de Victoria a captivé beaucoup d'entre nous. Pas seulement l'industrie de la mode, mais le public en général. Et cette personnalité n'a d'égal que son propre talent de styliste. Tu n'es qu'une menteuse! Ce modèle était à ma mère, il n'est pas à toi! Victoria, arrête! Présente tes respects maintenant! Angela! Victoria! Pas toi! On n'a pas besoin de ça! Maman! Un de ces jours, nous aussi, on aura une grande affiche. Ironie du sort, la rivale de Madame Valera à ce défilé ne pouvait pas provenir d'une origine plus opposée. En net contraste avec Milan et Paris, Jelai Agustin est issue de notre industrie textile locale. Ce n'est pas une exagération de dire ça. Petite, Jelai a su manier la machine à coudre avant même d'apprendre à lire ou à écrire. Cette caractéristique, associée à un œil très sûr pour les détails et une intelligence innée de la création, a fait de Jelai une des stylistes les plus douées de la mode d'aujourd'hui. Vipère, tu finiras par tomber. Ok. Un de ces jours, nous aussi, on aura une grande affiche. Après de très longues délibérations, et en dépit des incidents, nous avons un vainqueur. Même si les deux collections sont notables et louables, le jury a décidé d'attribuer la victoire à la collection qui incarne vraiment les principes directeurs de cette compétition. Tandis qu'une de ces collections parle de haute couture, de glamour et de luxe, l'autre montre avec audace l'union entre tradition et avant-gardisme, avec des créations informelles, la réinterprétation de silhouettes habituelles pour la femme moderne, sans tenir compte de la taille, ni de l'âge, ou de la classe sociale. Et le vainqueur du trophée Metrowear de l'année est... Toutes nos félicitations. Félicitations. Et surtout, souviens-toi. Même si on t'a fait du mal, ce qui compte, c'est que tu as aimé. Merci. Comment t'appelles-tu, au fait ? Chloé. Je connais quelqu'un qui porte le même nom. Nous sommes beaucoup à porter ce nom. Oh là 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 là. Mona ? Mona ! J'arrive. S'il te plaît, prépare la chambre des invités et change les draps et le reste, ok ? Va le faire tout de suite, s'il te plaît. Merci. D'accord, madame. Maman, tu peux rester ici tant que tu veux. Je ferai amener le reste de tes affaires, ok ? Ensuite, nous irons voir la police. Cet homme devra payer pour tout ce qu'il a osé te faire. Commence vraiment à m'énerver avec cette voleuse, Angela. Une voleuse, c'est toi la voleuse. Arrêtez, ça suffit.
as-tu payé pour voler mon modèle? Réponds-moi, hein? Le modèle appartenait à ma mère, il n'est pas à toi! Papa, de qui est ce modèle? De sa mère, c'est ce qu'elle a dit. Oh mon Dieu! Comment cette chose est-elle possible? Se pourrait-il qu'elle soit vivante? C'est incroyable! Ma sœur est vivante. Tu commences à m'inquiéter. Je crois que ma mère a quelque chose à voir avec l'incendie du magasin de Jelai. Quoi? Mais pourquoi? Es-tu capable de le faire? Bien sûr, c'est un jeu d'enfant. Finalement, tout finira. Ça sera un grand final pour toutes les deux.